Bonjour. Nous allons commencer aujourd'hui une présentation sur le module en mode étudiant. Pour cela, nous allons voir ensemble d'abord le profil utilisateur. Allons à la page de la plateforme de l'enseignement à distance, donc c'est elum.umc.edu.dz. Une fois cette page s'affiche, il faut mettre ici votre nom d'utilisateur. Voilà, c'est le mien. Et ici, il faut mettre votre mot de passe. Pardon. Ici, le mot de passe. Ici. Et cliquez sur le bouton connexion. Voilà. Donc, après avoir eu accès à cette plateforme, vous allez voir votre nom qui s'affiche ici, voilà, avec une image, un avatar, qu'on va le changer tout à l'heure. Et puis vous allez voir un menu ici, donc qui se divise en deux parties si vous voulez. Une partie, c'est un menu imposé par la plateforme tel que l'accueil, le tableau de bord, les événements, mes cours. Et puis un menu qui a été personnalisé par les services web de l'université. Donc vous voyez ici le cours, donc une arborescence de faculté, un menu accompagnement pédagogique des enseignants qui concerne la formation au lycée pratique pédagogique, puis un menu qui concerne un workshop sur les technologies éducatives et ainsi de suite. Et ici, c'est le menu Logitech à partir duquel vous allez télécharger des logiciels d'application, des logiciels qui vous aident à la conception et l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques. Voilà, donc ça, c'est la plateforme, c'est-à-dire sur l'entrée par la plateforme. Notons que la plateforme sur laquelle on est en train de travailler est de la version 3.9. Voilà, donc une fois avoir accès, donc ici, vous pouvez cliquer sur ce profil. Donc si je clique sur consulter le profil, voilà. Partir d'ici. Donc, je vois ici une sorte de biographie. Ici, l'ensemble des cours auxquels je me suis inscrit. Un peu quelques informations additives supplémentaires. Et ici, c'est la modification du profil. Mais ici, la modification de profil est relative à quelques champs. Si vous voulez avoir plus de champs pour modifier votre profil, il faut aller ici et cliquer toujours sur le bouton. Sur cette flèche et puis sur modifier le profil. Voilà, donc quelques champs grisés, nom, prénom, ville, quelque part en bas l'institution, que vous ne pouvez pas changer vous-même, donc il faut faire appel ou bien il faut contacter le responsable de la plateforme. Par contre, les champs tel que par exemple l'adresse courriel, donc vous pouvez changer vous-même votre mail. Ici, c'est la configuration de l'affichage de l'adresse mail. Donc, soit vous cachez, soit vous l'autorisez pour tout le monde, soit seuls les participants au cours qui sont autorisés à avoir votre adresse mail. C'est très important ce point. Il ne faut pas le cacher parce que si vous allez le cacher, vos collègues, vos membres de groupe et votre tuteur ne peuvent pas vous envoyer des emails à partir de la plateforme. Le pays est Algérie, le fuseau horaire c'est Alger. Ici c'est l'avatar. L'avatar c'est l'image qui est affichée ici. Donc si vous voulez le changer, vous cliquez, vous sélectionnez supprimer, donc vous pour le changer, et cliquez ici. Voilà. Puis choisir. Voilà. Donc je vais choisir un autre par exemple. Je vais prendre celui-là. Non, je vais prendre un autre. Pour voir là, voilà, je vais prendre celui-là et je clique sur déposer. Donc après l'enregistrement, nous allons voir le changement. Donc c'est une description de l'image, quelques noms supplémentaires si vous voulez. Et c'est le centre d'intérêt. Donc mes centres d'intérêt sont des tags. Si je veux ajouter un tag, je dois ajouter taper par exemple le mot et je
Je clique sur la touche Entrée du clavier. Il va se mettre ici. Pour le supprimer, clique ici. Ici, c'est facultatif, l'identifiant Skype, l'identifiant Yahoo, ainsi de suite. Mais ici, il faut inscrire votre numéro de téléphone, mobile, et l'institution s'est à changer par le biais du responsable de la plateforme. Bon. Je vais enregistrer le profil. Et vous allez voir maintenant que l'image a été changée ici. Voilà. Donc, après avoir enregistré le profil, le système va vous rediriger automatiquement vers préférences. Donc, ces préférences, vous pouvez accéder à partir toujours de cette flèche préférences. Et ici, vous pouvez changer votre mot de passe. Donc, vous tapez l'ancien ici, le nouveau ici, le confirmer ici, et puis cliquez sur enregistrer. Une astuce assez importante, c'est que le mot de passe doit en minimum avoir 8 caractères alphanumériques avec un caractère spécial pour que vous puissiez sécuriser votre compte. Donc, je ne vais pas donc enregistrer. Donc, ça concerne le profil utilisateur également. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à votre tableau de bord. Donc, le tableau de bord, on peut y accéder à partir d'ici ou bien à partir de cette icône. Voilà, donc ici le tableau de bord. Voilà, vous allez voir les courses qui s'affichent ici, ce que j'ai consulté maintenant, voilà, tous les courses sont ici, auxquelles je me suis inscrit. Et ça, c'est le cours que j'ai consulté récemment. Et ça, c'est un cours que j'ai consulté récemment, les deux cours, donc VHDL et le C2I. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne. Donc, pour retourner à la page d'accueil, vous cliquez sur Accueil et vous allez se rediriger vers la page d'accueil. Voilà. Maintenant, nous allons voir ensemble la messagerie. Donc, comment écrire un message, comment configurer la messagerie, comment ajouter un contact et ainsi de suite. Donc, pour la messagerie, la première des choses, vous voyez ici, à côté du menu langue, que vous pouvez le changer, donc vous pouvez prendre n'importe quelle langue à partir d'ici. Donc, vous voyez ici, 20 notifications, 145 anciens messages non lus, et ici, c'est 21 messages. Donc, si je clique par exemple sur notification, je vais trouver toutes les notifications. Voilà. Si je clique ici, je trouve les messages non lus, 145, oui, messages parvenus de mes contacts et les 137 sont privés, sont répartis ici, un de l'Hajj Esfodel et ainsi de suite. Bon, maintenant, si vous cliquez ici, j'ai 21 messages dans ma boîte de réception, 3 qui viennent du TP VHDL, c'est-à-dire les utilisateurs, 6 du cours C2I, les utilisateurs de C2I, ainsi de suite. Donc, si je clique sur Rédiger un message, vous allez voir que vous avez une sorte d'une boîte mail classique. Donc, ici, vous choisissez le cours. Donc, si je mets par exemple le cours, lequel par exemple l'électronique commande non linéaire. Donc, je vais envoyer le message ici à tous les utilisateurs du cours commande non linéaire. Et si vous voulez ajouter des destinataires, vous pouvez les ajouter ici. Voilà, donc le rôle, quel rôle, tous les rôles, chercher. Je ne sais pas si je ne me souviens pas des noms, bien évidemment. Je clique, bon, je ne sais pas si je peux trouver. Je ne me souviens pas des noms, en tous les cas. Bon, parce que je suis le propriétaire de cours, je ne me souviens pas des noms. Et ici,
l'objet, donc test par exemple, ou la comment c'est, par exemple le quiz. Donc, je mets le corps du message ici, et à partir d'ici, je peux ajouter ou joindre. Donc, je vais le changer, je vais mettre quelque chose qui est bon. Je vais mettre quelque chose qui est, voilà, qui touche au système, et déposer ici, déposer le fichier. Si je clique sur, voilà, on attend un peu l'attachement. Je vais changer le fichier pour avoir un fichier rapide. Je vais mettre par exemple celui-là, une image, celui-là. Voilà. C'est un peu long. C'est pas grave. Donc, à la fin, après l'attachement, vous allez trouver votre fichier qui sera ici. Voilà, un motif. Et vous cliquez sur envoyer, et comme ça, le message va être transmis à tous les utilisateurs du cours commande non linéaire avec l'objet, avec le corps du message et avec le fichier attaché. Bon, je mets rejeter. Voilà. Maintenant, si vous voulez configurer votre messagerie, vous pouvez aller ici, cliquer sur, pardon, cliquer sur préférences. Voilà. Et vous avez ici préférences des messages. Ici. Là, préférence des messages. Vous avez les paramètres ici, mes contacts seulement. Vous pouvez choisir qui peut vous envoyer. Donc, mes contacts et tout le monde dans mes cours, les mes contacts seulement, quand vous voulez. Préférence de notification par courriel. Donc, les messages vont vous parvenir par courriel et tapez entrée pour envoyer si vous voulez. Donc, ça, c'est préférence de messagerie. Voilà. Également, si vous voulez envoyer un message, pardon. Maintenant, si par exemple ici il y a un bloc qui s'appelle utilisateur en ligne, voilà, et vous pouvez, voilà, utilisateur en ligne, tous ces utilisateurs sont en ligne maintenant. Je prends par exemple Fatih, je clique sur cette icône. Et je peux lui envoyer un message maintenant. Là, je peux lui envoyer un message maintenant. Et je dis à Fatih, bonjour, et je clique sur cette flèche. Comme je peux cliquer ici. Ici, c'est 8 contacts. J'ai 8 contacts. Voilà, donc ça toujours, c'est la note, c'est la configuration. Voilà, j'ai envoyé un message à Fethi. Voilà, ça c'est Fethi. Je lui ai envoyé un message ici. Et je peux l'ajouter à mes contacts. Je peux ajouter Fethi à mes contacts. Donc, ajouter Fethi Dembélé à mes contacts. Là, donc, Fatih est devenu dans la liste de mes contacts. Voilà, donc, info utilisateur, si vous voulez. On va revenir à ça. Bloquer pour ne pas recevoir des messages de Fatih, et ainsi de suite. Voilà.
Donc, si. Donc, j'ai oui, deux manques de contact. Également, je peux, par exemple, je suis ici, je suis en train de lire l'ensemble des utilisateurs en ligne. Je trouve, par exemple, Ali Aboud, je veux consulter son profil. Donc, je clique ici. Donc, déjà, il a 42 secondes depuis le dernier accès. Je clique ici. Voilà, elle est inscrite au cours ça et ça, plus. Donc voilà, donc c'est l'utilisateur, la personne que je cherche. Et si je peux l'ajouter à mes contacts toujours, comme je peux lui envoyer un message. Donc j'envoie un message à Léaboud. Ici, bonjour. Voilà. Bonjour. Et je clique ici. Voilà. Et je reviens à ma page d'accueil si vous voulez. Voilà, ça c'est à peu près par rapport à la messagerie. Nous passerons maintenant à un point c'est les outils d'interaction. Et les outils d'interaction, ce sont les outils à travers lesquels on discute, on échange avec nos collègues et notre tuteur. Donc pour cela, et puis la promotion 2021-2022, la session janvier et le cours C2I. Pourquoi C2I? Parce que son abréviation, on a mis C2I ici. Voilà, ça c'est le cours C2I ici. Je commence d'abord par le tableau accompagnement en direct. Pour l'accompagnement en direct, c'est un outil d'interaction et d'échange avec votre tuteur. Donc, vous cliquez donc sur le nom de votre groupe, groupe 1. Vous allez être redirigé vers une visioconférence. Donc, vous cliquez sur accéder à la session. Voilà. Accéder à la session. Voilà. Et je suis ici, je clique sur. Voilà. Et je suis le seul dans cette visioconférence. Je peux couper le micro, je peux partager l'écran. J'ai autant de choses ici, ouvrir le chat, demander la parole et ainsi de suite. Et pour quitter la visioconférence, je clique ici, donc là, si vous avez un chronomètre d'accès. Pardon. Voilà. Quelques actions ici. Et je clique ici sur. Voilà. Je passe un peu plus bas. Je trouve ici donc une foire question. Donc ce sont d'éventuelles réponses à d'éventuelles questions. Donc si vous avez des questions liées au problème d'évaluation, il faut d'abord visiter cette foire aux questions. Peut-être votre réponse existe ici. Donc je vais la valider. Si vous voulez des problèmes, si vous avez des questions sur des problèmes techniques, vous pouvez voir d'abord ici. Également des questions liées à l'atelier numéro 1, vous pouvez passer ici. Donc pour l'évaluation, vous avez quelques questions ici. Donc en bleu, ce sont les questions, ce sont les éventuelles réponses. Également pour les problèmes techniques, vous avez quelques questions à mon adresse. Par exemple, je prends quelqu'un qui se renseigne sur son adresse mail. Mon adresse mail est incorrecte. On a dit que vous pouvez rectifier vous-même à travers le menu profil qui se trouve dans le tableau de bord des changements. Donc, j'ai perdu mon mot de passe, quoi faire? Donc, ça, ce sont des questions. Et pour l'ensemble des questions de l'atelier numéro 1, vous avez une panoplie de questions. Par exemple, je prends l'activité 1. Quel type de document dois-je déposer? Durant l'activité 1, vous pouvez déposer n'importe quel type de document, mais nous exigeons le PV d'installation. Comment sera-t-elle l'évaluation, pardon? Cette activité n'est pas notée avant d'envoyer des questions à vos tuteurs. Un peu plus bas, donc il y a le registre de présence global. C'est un registre qui va marquer votre présence dans tous les ateliers de la session janvier. Et ici, il est relatif à l'atelier numéro 1. Si je clique par exemple ici, ce sont tous des outils d'interaction. Vous allez trouver des. Voilà.
Donc ici, qui résume les sessions de mes sessions, et ici, donc j'ai passé par exemple 1 heure hier, j'ai passé 15 minutes avant-hier, 29 minutes avant-hier, et 15 minutes le 4 janvier. Donc total ici, par exemple, j'ai 2 heures 3 minutes. Voilà, je reviens à mon cours. Voilà. Et ici, nous allons voir ça tout à l'heure. Ça, c'est une barre de progression. J'ai déjà déposé un document ici. Ça va marquer OK. Donc, à chaque fois que vous réalisez une tâche, la barre, donc, il y aura un OK vert ici sur cette barre de progression. Vous pouvez suivre vous-même votre progression. Ça, c'est les badges. Donc, à chaque dès la réussite de l'atelier numéro 1, vous allez recevoir un badge. Bon, ça c'est le groupe, on va le voir tout à l'heure. Et ici, vous avez le groupe. Donc, vous cliquez ici pour télécharger le fichier groupe. Et ici, pour télécharger la vidéo qui va vous montrer comment chercher votre groupe. Ici, vous allez télécharger la liste des tuteurs. Et ici, vous allez localiser vous-même les membres de vos groupes. Donc, si je clique ici, localiser votre groupe. Puisque je suis dans le groupe 1, donc que la liste du groupe 1 qui va être affichée. Voilà. Donc, il a désactivé, voilà, c'est une erreur, il a désactivé donc l'affichage de son adresse mail. Tout le monde a désactivé. Et si je clique sur message, par exemple, personnel, voilà, pour lui envoyer un mail, voilà. Pardon. Et vous pouvez envoyer un membre de votre groupe un mail. Voilà, c'est bonjour. Je reviens à la liste. Donc, ici, donc, vous pouvez cliquer pour télécharger. Et je passe aux espaces de communication tels que le chat et le forum. Donc, ici, vous avez un salon de discussion synchrone, c'est le chat. Et ici, le forum, mais général. C'est-à-dire, tout le monde peut y accéder. Par contre, ici, c'est un salon de discussion par groupe. Donc, que les membres d'un groupe qui peuvent y accéder. C'est-à-dire que si tout le monde accède à ce salon-là, que les membres du groupe, par exemple, c'est-à-dire les membres du groupe numéro 1 peuvent se communiquer sans voir les interactions et les messages postés par le groupe ou les autres groupes. Donc, comment participer à un salon de chat? Je clique ici. Et ici, si vous avez raté une session de chat, vous pouvez la consulter les sessions précédentes. Par contre, ici, donc, il y a des utilisateurs en ligne, par exemple. On va voir. Donc, ici, il y a Ali Boulbedaoui. Je clique ici pour aller à la session. Et voilà. Et je trouve donc Ali Fethi Hag Ndouzi moi-même. Pour faire un bip à Ali, je clique sur bip. Pour parler uniquement à Ali, c'est-à-dire un message qui va venir directement que à Ali. Donc, je clique à Ali ici et vous voyez tout Ali. Donc, Fatiha ne peut pas voir ce message. Bonjour. Ceci est un test. Voilà. Et pour écrire un message global, je clique sans sélectionner parler directement ici. Bonjour, mes collègues. Voilà. Et je clique sur envoyer. Voilà. Je sors hein? Et puis, je reviens. Ça, c'est par rapport au chat. Par rapport au forum, donc je suis ici. Je passe ici. Je clique sur forum. Là, je clique sur forum d'une réunion vidéo. Donc, Warda Badesh a demandé une réunion vidéo. Groupe 1, j'ai déposé, j'ai eu une réponse ici, par exemple.
Voilà, donc d'une réunion vidéo, c'était un message posté par Wardabadej. Donc bonjour, je me demande pour reçu l'invitation du tuteur. Donc répondre, je réponds au message de Warda. Bonjour, vous allez la recevoir. Voilà, envoyé. Si je veux, pardon, je reviens en arrière. Et si je veux maintenant, pardon, si je veux ajouter une discussion, je clique ici, pardon, je clique ajouter une discussion. Et ici, je mets donc le sujet de la discussion. Voilà. Voilà, ici donc la formation, la formation à distance. Je dis à tout le monde que la formation se déroule en ligne, virgule. Vous pouvez commencer vos activités sans attendre la rencontre avec votre tuteur. Voilà, mais une fois qu'il vous fixe un rendez-vous, il faut être. Il faut participer au direct ou bien les chats. Bon courage. Voilà. Bon courage. Je clique sur envoyer. Et je vais ajouter. Donc ici, vous pouvez ajouter, on va faire ça. Donc vous pouvez ajouter un message. Audio, ici vidéo. Voilà. Voilà. Ajouter une discussion, par exemple, ici. Message de bienvenue. De pardon. De bienvenue. Ici, j'ajoute ici. Pardon. Bonjour. Je pense qu'il y a un problème ici. Y a un problème ici, je pense. C'est pas fonctionnel. Il y a un problème ici. Voilà. C'est commencer l'enregistrement. Bonjour. Ceci est un test pour vous montrer comment envoyer un message sonore à travers le forum. Joindre donc ici. Donc, si vous voulez écouter votre scène, bonjour. Pardon. Bonjour. Ceci est un test pour vous montrer comment envoyer un message sonore à travers le forum. Et ici, c'est pour ajouter une vidéo. Voilà. OK. Et je valide. Et vous voyez mon message ici, message de bienvenue. Ça, c'est le premier message. Et ça, c'est le deuxième message. D'accord? Voilà. Quelqu'un qui lance ici peut voir le message. Qui clique ici pour lancer peut voir le message. Voilà, donc ça, c'est par rapport aux espaces de communication. Maintenant, nous allons voir. Le dernier point qui est très important, c'est comment déposer les devoirs. Voilà, donc pour cela, on accède d'abord toujours à la formation pour trouver un espace. Bonjour. Voilà, donc j'accède
avant de, n'est-ce pas, ça m'en cours. Voilà, donc je note ici par exemple dans le menu navigation, je trouve ces deux i ici, ça c'est un supplément. Donc participants, si vous cliquez ici, bon, avant d'accéder, ça c'est l'espace de voir. Donc ici, donc voilà, ce sont les participants de votre cours. J'ai oublié de dire ça. Si vous cliquez ici, vous allez voir votre participant. Vous pouvez lui envoyer un message. Là, vous pouvez lui envoyer un message à partir d'ici. Voilà. Donc ici pour les devoirs, donc vous avez un espace de dépôt. Vous allez déposer votre ici une copie scannée de votre PV d'installation. J'ai déjà déposé une copie le 6 janvier 2022 en tant qu'étudiant. Et elle a été marquée comme activité achevée ici. Donc si je clique ici, il me dit que voilà, vous voyez ici, déposez ici votre copie. OK. Donc j'ai fait cette activité, mais je vais changer donc pour vous, donc accéder à l'espace dépôt. Voilà. Et c'est un travail qui a été remis pour évaluation et qui n'est pas évalué. Il me reste 5 jours pour le faire. Le deadline, c'est le 12 janvier. La dernière, parce que j'ai déposé, je l'ai modifié, c'est le 6 janvier. Il n'y a pas de commentaire de la part de mon tuteur. Pour vous, vous allez trouver ici un bouton ajouter parce que j'ai déjà déposé, j'ai supprimé le travail. Mais pour vous, vous allez trouver un bouton ajouter. Vous cliquez sur ajouter. Pour moi, je fais modifier le travail. Et voilà, je vais choisir n'importe quel fichier ici. Bon, pour vous, il faut mettre votre PV d'installation. Voilà. Ben, choisir un fichier. Je prends celui-là, par exemple, et je mets ici PV. Pardon. D'installation et je clique ici. Voilà. Et puis je clique sur enregistrer. Voilà, donc mon travail a été déposé. PV d'installation, parce que je l'ai nommé PV d'installation.png. Et puis à chaque fois, il faut revenir à cet espace de dépôt. Pourquoi? Vous allez trouver peut-être un commentaire de votre tuteur et vous allez trouver par exemple une évaluation. Pour le cas du PV d'installation, il n'y a pas de note. Mais vous allez trouver un commentaire, une évaluation ici. Donc il faut à chaque fois revenir à l'espace de dépôt pour voir les nouveautés parvenues de votre tuteur accompagnateur. Voilà. Et pardon. Donc ici, donc par rapport à navigation, mes cours, je passe au cours toujours. Donc le menu navigation, le bloc navigation, C2I, c'est le cours participant badge, les badges que j'ai eu. Ici, le plus important, c'est note. Si vous cliquez ici sur note, vous allez trouver les notes de toutes les activités évaluées. Bon, il n'y a pas de notes dans mon. Donc, il n'y a aucune note. Donc, j'ai déposé le PV d'installation, ce n'est pas noté. Et à chaque fois que je dépose, je trouve une note ici. Donc, l'intitulé de l'activité et les notes. D'accord? Voilà. Voilà, donc, je vous remercie pour ce suivi. Nous donnerons rendez-vous les cartes mentales, l'installation des logiciels et comment travailler avec les cartes mentales. Merci.